Radio. Oui, ça. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui donc nous allons commencer cette émission sur les jeux flash. Donc nous sommes actuellement donc sur l'écran titre de Metius, Tower Defense. Donc je vais commencer par diminuer un peu la musique, voilà, et mettre en haute qualité. Voilà. Attendez, voilà, voilà. Donc, les jeux de défense sont les plus répandus hein, dans le domaine des jeux flash. Et donc, j'ai choisi celui-là parce que je l'aime bien. Je le trouve vraiment pas mal. Donc, il a été développé par Explored et sponsorisé par Crazy Monkey Game. Donc, sachant cela, on peut s'attendre qu'à un bon jeu. Ok, donc je vais commencer une partie facile et nous avons donc une petite cinématique. Hein, donc mon nom est Metius, je suis un adepte de la magie noire. Je suis loyal envers le Seigneur Noir. Bon, en gros, il nous raconte hein, qui tire sa puissance des forces, des âmes de ceux qu'il tue. Une guerre a été perdue, donc l'armée du Maître Noir a été vaincue. Les orques et les gobelins donc se sont échappés. Ils ont survécu. Ils sont arrivés. Ils ont fait une alliance avec les humains. Et tout ce monde là, ben, veut s'attaquer à nous. Donc notre but hein, est de défendre notre tour. Donc dès le départ, on a le droit à un joli petit tutoriel. Voilà, donc on nous explique à quoi sert la barre rouge, c'est l'état de la tour, la barre bleue, c'est nos sortilèges. Donc on a le même truc, mais version numéro ici. Et on a nos sorts sur la droite. Ok. Donc c'est assez simple, il suffit juste de cliquer sur les ennemis pour les tuer. Donc pour le moment je n'ai que 5 ennemis à tuer, c'est la première salve. Donc il y a 20 niveaux. Hein. Donc voilà, donc à chaque fois que je tue un ennemi, je récupère son âme. Donc il faut quand même réagir assez vite pour récupérer les âmes parce qu'ils ne restent pas éternellement. Ils disparaissent même assez vite. Donc le premier niveau a pour but hein, d'être un tutoriel, hein, rien de plus. Donc tout est écrit en anglais malheureusement. Donc il faut être familiarisé avec l'anglais hein, si on veut connaître hein, vraiment le dégât des sortilèges et tout. Donc voilà le résumé donc, de tout ce que l'on peut trouver dans le jeu. Donc les barres d'énergie, la collecte d'âmes. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Le nombre de personnes qui a tué pendant le niveau qu'on est. Voilà. Bon. Donc, Escape pour revenir au menu. Donc, il y a un système de sauvegarde à chaque niveau. On peut couper le son avec M et avoir un guide des créatures avec G. Et avoir H pour réafficher cette page-là. D'accord, ok. On continue. Donc, à chaque fin de niveau, nous arrivons sur cette page où nous pouvons améliorer nos sortilèges. Donc, chaque sortilège demande d'être arrivé à un certain niveau et demande donc une certaine quantité d'âmes pour être amélioré. Voilà, et à chaque fois, donc, nous avons une fiche récapitulative de l'état de notre mage, hein, donc de Metius.
Donc, les sortilèges, hein, donc vous voyez, on en a 10 au total, donc on peut établir des stratégies assez sympas. Et donc, vous voyez, j'ai amélioré ma boule de feu. Et donc, les effets graphiques ont changé de la boule de feu. Ça, je trouve ça très très intéressant que le. Que le. Comment que les graphismes soient à ce point détaillés. Il faut avouer que les graphismes sont très bons dans ce jeu. Aussi bien au niveau de la tour que des sortilèges. Les ennemis sont variés. Donc là, pour le moment, vous n'avez vu que des gobelins, mais il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc. Voilà, donc deuxième niveau terminé, donc ça a été très très rapide. Vous en faites pas, hein. Plus on avance, plus les niveaux sont longs. Et moi, c'est évident. Voilà, donc mon sort encore amélioré. J'aime bien ces petits effets quand on récupère une âme, qu'on récupère dans les deux chaudrons là qui entourent Métus. Au niveau sonore, hein, le jeu non plus n'est pas vraiment reprochable. Hein, Oh zut, j'ai passé ça. Bon, je reviendrai dessus au prochain niveau. Donc vous voyez, donc là j'ai un ennemi un petit peu plus balèze qui demande à ce que je tire un peu plus dessus. Donc je vais quand même vous montrer la liste des monstres. Hein. Donc j'ai dit en appuyant sur G. Hop, on a donc la liste des ennemis que l'on peut rencontrer dans le jeu. Donc on a des ogres, des orques, des trolls. Alors les trolls, on va, ce sont les plus dangereux. On a des mages, on a des chevaliers, des archers. Voilà. Voilà, donc Chevalier du Chaos, Black Knight, enfin, encore un mage. Et on a ce golem. Alors, le golem n'est pas un ennemi, c'est un allié, on peut l'avoir dans nos sortilèges, mais il est purement inutile. Je ne vous le conseille pas. De toute façon, pour ma stratégie, donc, hein, parce que je vais jouer selon ma stratégie, je vais développer que 3 sortilèges au cours du jeu. Donc, petit reproche là quand même, parce que le jeu n'est pas entièrement irréprochable non plus. Hein. On aurait bien aimé, c'est voir le niveau auquel on est actuellement. Dans les statistiques ou quelque chose comme ça, marqué, voilà, vous êtes au niveau 3 ou au niveau 4, parce que parfois on ne fait plus attention à quel niveau on est. Voilà, donc comme ça, donc lorsque un niveau est un petit peu trop long, on peut avoir le droit à un petit palier comme cela. Où nous pouvons échanger des âmes contre de la vie. Voilà, donc lors des fortes attaques, au moins on peut, voilà, si on a accumulé assez d'âmes, on peut récupérer de la vie assez rapidement. Donc ça, c'est assez sympa. Donc un autre donc ce qui différencie quand même donc Métius Tower Defense aux autres jeux de défense de zone, c'est que le joueur est constamment obligé d'interagir avec le jeu. Ce n'est pas un jeu un petit peu bébête où on développe une défense et voilà quoi, on attend. Non, non, là on interagit avec le jeu pratiquement en permanence et si on ne le fait pas, on est quasiment mort. Alors, voilà, donc j'ai développé ma boule de feu au maximum, hein, donc
Donc les corps hein, qui mettent un certain temps à disparaître, ça aussi c'est du détail, mais c'est vraiment très très bien fait. Très très bonne initiative donc des développeurs de ce jeu. Hein. Ok, niveau 5 passé. Donc, hop, je vais développer ma boule de feu. Donc c'était voilà, donc c'était des missiles magiques que j'utilisais jusqu'à présent. Je vais encore les utiliser un petit peu. Et je vais essayer de développer ce sortilège-là au maximum, la fireball. Donc petit détail assez précisé, mais on peut mettre un petit raccourci sur nos sortilèges. Donc on passe notre curseur dessus, on appuie sur la touche raccourci. Donc les touches raccourcies, c'est 1, 2, 3, 4, qui sont... Enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui sont en haut de votre clavier. Bien sûr, je parle, je laisse les ennemis arriver jusqu'à ma tour. Ça, c'est pas très très malin. Ok, bon. Donc je n'ai absolument rien écrit hein, pour tourner cette série de vidéos. J'y vais en freestyle, hein, je savais à peu près ce que j'allais vous raconter, mais je n'ai rien écrit, hein. Donc que ce soit en facile ou en difficile, hein, le challenge est quand même pas mal relevé. Hein. Voilà, donc j'ai des mages là qui me tirent à distance là. Qui me tirent de cette distance, voilà. Bon. Niveau 6. Ah. Donc dans cet écran, donc on peut échanger une âme contre 5% de vie. Donc je vais le faire. Une petite dernière. Voilà. Je vais encore garder ma boule de feu encore un petit peu parce que la fireball n'est pas encore assez développée. Donc il faut vraiment se gérer les ennemis, hein. On tire en priorité sur ceux qui sont les plus dangereux. Reste, on tire après quoi. Et... Donc l'intermède, hein, pour le passer, hein, vous avez vu, donc on appuie simplement sur la barre espace. Donc je sais pas si vous entendez, mais on entend les donc à chaque fois que Métis lance un sortilège, donc il dit une incantation. Donc ce qui a pour effet de nous mettre encore plus dans l'ambiance. Donc c'est super sympa. Ah oui, un petit détail aussi. Alors ça, franchement, j'apprécie beaucoup. Lorsque l'on passe le curseur sur un ennemi, on a sa jauge de vie qui apparaît au-dessus de sa tête. Ça, franchement, c'est très très bien. Parce qu'il y a des... Déjà, le fait que ça ne s'affiche que quand on passe le curseur, ça évite d'avoir l'écran entièrement rempli de barres de vie, ce qui pourrait être encombrant. Et puis au moins, on a vraiment l'état des personnages dans lesquels on est. Donc je vais essayer quand même d'utiliser ma fireball là parce que ça commence à sentir le roussi. Non, c'est pas très très bon tout ça. Oh là 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 là. Oh non, je vais me faire démonter, j'y crois pas. Ah, j'y crois pas.
Ah la vache. Oh, alors là, j'ai pris cher. Là, j'ai pris très très cher. Bon. Oh là là. Bon, bah, résultat. Ah oh, bah, je peux quand même améliorer ma fireball. Bah, j'ai beaucoup de chance là quand même. Bon, on va arrêter les bêtises quand même, hein. Je vais quand même essayer d'utiliser la fireball un peu plus quand même. Parce que... Oh, trop longue encore à charger. Non, sans la fireball, je vais pas y arriver. L'habitude, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai fait une erreur. Hein. C'est qu'au niveau 4, au mieux de ne pas développer le missile, je l'ai développé. Au mieux d'économiser des âmes pour pouvoir améliorer ma fireball plus vite. Et ça, c'est une erreur dans ma stratégie. On va quand même essayer de s'en tirer, hein. Donc vous voyez, et pourtant je ne suis qu'en facile, hein. Donc vous voyez que j'ai quand même eu très chaud au niveau précédent. Bon, je vous cacherai pas aussi que je sors d'une journée de cours, donc je suis un petit peu fatigué de ma journée. Bon. D'habitude, je me débrouille mieux que ça, hein. Mais là, pas génial. Bon, j'ai perdu la moitié de ma vie sur celle-là, donc je vais essayer de développer un fireball au maximum et de mettre tout le reste dans ma vie. Ok. Bon, niveau 5, ça devrait le faire là. Ouais, ça a l'air. Ouais, allez, c'est parti. Donc, vous voyez, donc j'ai des nouveaux ennemis qui viennent d'apparaître. Hein, donc pour le moment, il m'attaque par groupe, donc par comment par espèce, je veux dire. Donc c'est soit des orques, soit des gobelins, soit des humains. Mais faut savoir que dans les derniers niveaux, hein, ils s'alliancent tous, ils se mettent tous d'accord pour nous mettre sur la gueule. Hein. Donc le jeu est faisable facilement en 1 heure. Hein. Donc je pense que cette émission devrait durer un petit peu plus d'une heure. Donc on verra des jeux courts, on verra des jeux aussi longs que celui-là. J'ai commencé par un jeu assez long. Je l'avoue, c'est aussi pour tester les nouveaux logiciels hein, que j'utilise pour enregistrer ce jeu. Puisque je ne peux pas enregistrer je ne peux pas enregistrer ce jeu avec Fraps. Il faut savoir qu'aussi que j'enregistre avec un émulateur. Donc si vous voulez le nom de l'émulateur, et ben c'est SWF Opener. Donc qui permet de jouer à des jeux en flash sans navigateur. Donc on peut comme ça être en plein écran. C'est très très utile. Donc ben, déjà c'est un confort pour vous pour regarder la vidéo. Et puis pour moi c'est un confort pour jouer. Hein. Et puis en même temps, ça vous épargne de toutes les pubs que l'on peut avoir sur un navigateur. Tiens, parlant de pub, tout à l'heure je vous montrerai un second point
un second point noir au jeu, parce que je vous ai dit, hein, le jeu est très très bien, mais pas irréprochable, malheureusement. Mais il y a quand même eu du boulot de fait, hein, Voilà, alors le petit détail là que je voulais vous montrer, c'est ça. Ici, il y a une publicité Game Guide. Si, si vous cliquez un peu trop vite sur Confirme et qu'en fait vous cliquez sur Game Guide, ça vous envoie vers une page internet. Donc c'est un petit point noir. La publicité un peu mal placée. Donc un autre petit détail, donc entre deux niveaux, donc notre vie ne se régénère pas. Enfin, on la régénère en payant des âmes. Par contre, notre vie de mana, enfin notre énergie, quoi, se régénère toute seule entre deux niveaux. Donc ça, c'est assez sympa. Donc, vous voyez, donc hein, j'aime bien, c'est la boule de feu parce que ça fait vraiment une attaque de zone. Donc on peut tuer beaucoup plus d'ennemis en une seule attaque. Et donc c'est pour ça que ce sortilège est quasiment indispensable. Donc je vais réaliser le jeu entièrement devant vous, hein. De toute façon on a le temps, hein. Je suis plus restreint au niveau du temps vidéo. Ça fait quand même déjà depuis un bout de temps. Ah oui, alors ce personnage là, blanc, il a la faculté en fait de protéger ses alliés, donc nos ennemis, des sortilèges que je lance. Donc ça les rend un peu plus résistants à la magie. Bon. Donc si vos sortilèges ne sont pas développés à fond, bah ça peut être un petit peu ennuyeux. Donc vous voyez quand même que la vie de mana descend. Pas trop vite, mais descend quand même assez bien. Donc les âmes sont indispensables, hein. Il faut vraiment les récupérer. Dès qu'on peut, on va en récupérer. Donc chaque ennemi donne une âme. Donc ça par contre c'est un petit détail qui me gêne un petit peu. On aurait apprécié, c'est voilà, selon la difficulté de l'ennemi, avoir plus ou moins d'âmes. Ce qui se fait beaucoup, hein, normalement le seuil de butin, voilà, ça dépend de l'ennemi. Et là non. Chaque ennemi donne une âme et c'est tout. Donc que ce soit un troll ou un petit archer, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc c'est bien, donc si je continue comme ça, hein, au prochain niveau, je récupère toute ma vie et je développe normalement ma boule de feu quasiment au maximum. Donc le jeu est tout de même assez réactif, hein, on n'a pas vraiment de lag. Ah dommage, il me manque un niveau. Bon. Donc aussi, hein, donc à chaque début de partie, il faut resélectionner le sort. Ça franchement, c'est un petit peu dommage. On aurait apprécié que le jeu se garde en mémoire le dernier sort utilisé. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Donc au départ de cette vidéo, j'avais comment précisé qui était le développeur et le sponsor de ce jeu. Parce que vous allez voir, donc pendant cette émission, hein, nous allons voir beaucoup de jeux et donc de nombreux développeurs et de nombreux sponsors. Et vous allez voir que c'est souvent une indication sur la qualité du jeu, hein. Oula, ça pique. Ok. Hop. Donc pareil, hein, la plupart de nos sortilèges sont essentiellement des sortilèges de feu. On n'a pas vraiment de sortilège genre glace. On a un sortilège d'éclair bah, qui nous permet de lancer de la foudre en ligne droite, mais il n'est pas très très utile. Parce que vous voyez, donc vaut mieux comme ça tirer sur des groupes de personnes plutôt que sur une ligne. Donc j'ai pas chronométré exactement combien de temps durait une âme sur le terrain, mais... Ah tiens, alors les chevaliers d'or, hein, vous voyez, ils ont beaucoup plus de vie, il est beaucoup plus... Enfin, ils continuent à avancer même quand ils se sont pris une flamme, et... enfin une boule de feu, et donc c'est finalement mon feu qui finit par les détruire. Hop. Voilà, ça c'est bien ça. Ok, donc le prochain sortilège que je développerai, ce sera qu'au niveau 16. Ce sera la vague de la mort. Donc la vague de la mort qui détruit presque tous les ennemis d'un seul coup. Il n'y a que les trolls qui y échappent. Ils sont juste étourdis par le sortilège. Donc avec la boule de feu, on pourrait penser qu'il vaudrait mieux c'est laisser un petit peu avancer les ennemis pour comment pour pouvoir tous les tuer, enfin les tuer plus voilà quoi, pour augmenter la rentabilité du sort. C'est une erreur, hein. Il ne faut surtout pas faire ça parce qu'on se retrouve très très vite submergé par les ennemis. Et souvent après, on sait plus vraiment où donner de la tête et on voit notre vie descendre très très rapidement. Donc vous, donc pour revenir au jeu, hein, donc le son est bon, les graphismes sont vraiment pas mal, le gameplay est très bien aussi. Les défauts, donc c'est cette pub dans l'écran de défaut, quoi, et puis ne pas voir aussi à quel niveau on est. Et il y a un dernier point que je vais vous montrer tout à l'heure. Il faut que je sois un peu plus haut niveau pour vous le montrer. C'est au niveau de la recharge des sorts. Il y a un petit... Là, par contre, il y a un petit truc qui aurait été pas mal de développer. Ben, j'ai peut-être vous le montrer pendant ce corps. Donc, c'est simple. Vous voyez donc la barre bleue. On peut la recharger en appuyant sur espace. Et si on appuie plusieurs fois, regardez les ennemis. Voilà, il y a un gros ralentissement au niveau des ennemis lorsque l'on recharge les... Et même au niveau des ennemis, aussi au niveau de la souris.
La souris aussi frise un petit peu lorsqu'on est en train de recharger notre barre d'énergie. Et ça, c'est un truc qui... C'est un détail, mais c'est assez agaçant. Heureusement qu'on n'est pas obligé de recharger toutes les 2 minutes, quoi. On recharge vraiment que quand notre énergie est au minimum. Ou alors on recharge vraiment le nécessaire pour passer le niveau. Hein. Quand il reste 2-3 ennemis à tuer et qu'on est à sec, on n'appuie que une ou deux fois sur la barre espace. Donc une ou deux fois, hein, la barre espace ne. Enfin, le ralentissement se voit à peine. Par contre, quand on doit recharger sa vie entièrement, voilà, on a un freeze au niveau du jeu. Et c'est pas très très agréable. En même temps, donc c'est un jeu Flash, hein, donc le Flash c'est un langage de programmation. Enfin, oui, c'est une sorte de langage de programmation. Donc c'est. Et j'avoue que c'est assez lourd à développer. Hein. Le Flash est assez réputé pour être lourd. Mais. Lourd au niveau ressources, hein, je parle. Bon, j'arrive pas quand même aux 200 âmes. Et j'ai bien de finir le niveau 12. Ensuite. Bon, voilà, hein. Donc j'ai présenté les trois défauts du jeu. Il n'y en a pas d'autres. Franchement, à part ça, le jeu est vraiment... Il n'y a aucun autre défaut à ce jeu. Donc on peut, hein, hop, voilà, on peut couper le son, hein, quand on veut. Mais c'est tout de même ennuyeux parce que parfois, eh ben, un ennemi est en train de taper sur notre muraille, et si on n'a pas le son, bah, on ne l'entend pas. Et si on ne fait pas attention à notre muraille, en fait, eh ben, on voit pas forcément un ennemi là ici, là sur la droite. Donc je remets la musique. Donc l'histoire, hein, de récupérer des âmes, je trouve ça vraiment pas mal. Parce que bon, dans les autres jeux de défense de zone, bon, souvent à chaque ennemi tué, on récupère une certaine somme d'argent. Bon, déjà l'argent, on sait pas vraiment d'où il vient, mais déjà c'est une petite erreur de scénario. Alors que là, l'idée de récupérer des âmes sur les ennemis, là, à la limite, c'est peut-être un peu plus cohérent. Enfin, c'est pas cohérent, mais c'est... Au niveau, voilà quoi, au niveau de l'histoire, je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve que l'idée est bonne. Donc, je vous présente pas tous les ennemis du jeu, hein, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Donc ça, ce sont, bah, enfin voilà quoi. En gros, il y a des ennemis qui attaquent au corps à corps et des ennemis qui attaquent à distance. Et chaque ennemi est plus résistant les uns les autres. Donc aussi, contrairement aux autres jeux de défense de zone, au moins là, le jeu a une fin quand même. Ce qui veut, alors que dans la plupart des jeux de défense, il n'y a pas de fin. Les ennemis continuent à devenir de plus en plus forts, jusqu'à ne pas pouvoir être battables. Là au moins, les ennemis ont une vie fixe, une force fixe. Il n'y a que des types qui apparaissent au fur et à mesure des niveaux pour augmenter la difficulté, ainsi que leur nombre. Mais le jeu est réalisable et on n'a donc pas la frustration à la fin du jeu, voilà quoi, la frustration quand on perd le jeu.
Là, au moins, le jeu, il est possible de le gagner. Donc, ça, c'est très très bien pour un jeu de ce genre. C'est vraiment rare. Donc, au départ, on peut penser que 20 niveaux, bon, ça peut être. C'est pas assez, on va se dire que le jeu est trop court. Et malgré tout, on voit pas le temps passer et on peut y passer beaucoup, bien plus d'une heure à jouer à ce jeu. Juste pour vouloir le finir, quoi. Sachant quand même que le dernier niveau comporte 800 ennemis en facile. Il me semble que c'est plus en difficile, ce serait confirmé, je me souviens plus vraiment. Parce que j'ai joué à ce jeu en difficile. J'ai d'ailleurs pas survécu, je vous l'avoue. J'ai essayé qu'une fois et je n'ai pas survécu. Donc un vrai challenge. Et puis donc je vous disais hein, l'interaction constante avec le jeu. Donc toujours voir où placer son sortilège de façon à ce que ça fasse le plus mal. À tuer le maximum d'ennemis possible. Ok, niveau 13. Donc là, je viens de tuer quand même 219 ennemis pour le niveau 12. Enfin, pour le niveau 13, là, fini. Donc, vous voyez donc que le temps des niveaux augmente quand même assez considérablement. Je vais récupérer quand même un petit peu de vie. Ça évitera d'avoir des ennuis. Donc, vous voyez, hein, si je viens d'appuyer sur la touche 1 pour utiliser mon raccourci. De sélectionner mon sort beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est très utile, hein, c'est quand on utilise plusieurs sortilèges et qu'on en a besoin d'un très rapidement. Au moins on appuie sur la touche que l'on veut et on récupère le sort. Donc je ne présenterai pas non plus que des jeux que j'aime, hein. Il y a aussi, on va avoir aussi des jeux que je n'aime pas, hein. Donc vous allez avoir le droit à quelques pétages de plomb, hein, un petit peu comme le joueur du grenier. Vous en faites pas. Je vais d'ailleurs, je pense, alterner les bons et les mauvais jeux. Bon, ce sera aussi un petit peu en fonction de mon humeur, hein. Je vous le cache pas. Attendez, là on est au niveau 14 là si je me trompe pas, et eh ben on va avoir des trolls. On va avoir des trolls normalement qui devraient arriver vers la fin du niveau.
Ah bah tiens, quand on parle du loup, en v'là. Donc, d'une partie à une autre, quand même, hein, les monstres n'apparaissent pas tout à fait dans le même ordre. Hein, le pattern peut varier légèrement. Donc, la difficulté reste sensiblement la même d'une partie à une autre, mais ce n'est pas exactement les mêmes trajets que font les ennemis et le nombre peut varier légèrement aussi. Donc j'essaie quand même de récupérer ces âmes avant qu'elles disparaissent. J'ai pas vu qu'il était en train de me taper dessus celui-là. Donc ici quand même, c'est un angle qu'il faut faire assez attention. Parfois ici, vous faites pas attention qu'il y a un ennemi qui est en train de vous taper. Voilà, alors un gros ralentissement encore une fois, hein, voilà. J'allais attendre un petit peu que les ennemis avancent, mais là non, ce sont des trolls, non, non, je tire dans le tas là. Ah bah ça va, j'arrive bien à les gérer là. Et tu sais, je galère un petit peu plus que ça avec les trolls. Eh ben ça va. Vous voyez, donc déjà, hein, ça commence à pas mal grouiller d'ennemis. Donc là, vous allez voir encore un gros ralentissement. Ça le fait. Donc j'espère que la capture ne sera pas trop trop foireuse. Parce que... Donc ok, donc je pourrais développer, vous voyez, donc le sortilège de d'éclair là que j'ai. Mais non, je n'en fais rien.
pareil, hein, donc vous voyez, on peut lancer un sortilège et on n'est pas obligé de laisser le curseur là où on veut que tombe le sortilège. On clique et on passe à autre chose, quoi. On clique et on passe à la récupération d'âme, quoi. Donc à chaque fois qu'on développe un sortilège, hein, vous l'avez vu, le sort met moins de temps à être invoqué. Et donc est plus puissant. Hein. Donc en haut quand même, en haut de l'écran, il est assez difficile de récupérer les âmes. Surtout quand on joue en navigateur. Parce que souvent la souris bah, sort de l'écran au lieu de récupérer l'âme. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Donc là sur l'émulateur, le problème se voit nettement moins. Parce que bon, bah, le jeu prend pratiquement tout l'écran. Hein, y a juste un petit pixel tout autour de l'écran qui n'est pas utilisé, c'est tout. Apparemment, c'est une vague uniquement faite de guerriers noirs, donc. Donc la grande diversité d'ennemis, hein, ça quand même, hein, c'est un jeu où on a toujours les mêmes ennemis, c'est assez ennuyeux. Donc là, au moins, Metus n'a pas ce problème. Donc il faut quand même assez. Donc plus on passe les niveaux et plus faut être rapide quand même, hein, pour tirer sur les ennemis. Hein. À la fin on tire pratiquement nos sortilèges en rafale. Donc je vous donne aussi mon avis personnel hein, sur ce jeu, mais bon, je présenterai à chaque fois hein, les caractéristiques hein, qui font que le jeu que je présente c'est un bon jeu ou non. Metus c'est un bon jeu, hein, graphiquement, au niveau de la musique, de la jouabilité. Donc ça, ce sont des arguments quand même des. Voilà quoi, des arguments de force quand même. Ce sont des arguments objectifs, c'est ça que je veux dire. Et non pas subjectifs.
Donc j'aurais dû quand même chronométrer le temps de la vidéo, hein, parce que bon, si ça dure 1 heure et demie quand même, ça va être un petit peu long pour déjà un premier jeu. Donc ce sera exclusivement des jeux flash, hein, que je présenterai. Peut-être que bon, dans une autre émission, je présenterai d'autres jeux, mais ça m'étonnerait beaucoup que je fasse ça, parce que la plupart des jeux récents, vous les connaissez, hein. Si je vous dis World of Warcraft, enfin, oui, encore World of Warcraft, ça commence à se faire un petit peu pas vraiment récent. Skyrim, par exemple, si je vous dis Skyrim, bon, la plupart d'entre vous connaissent, je vais pas faire une vidéo sur ça quand même. Puis en plus, donc les jeux flash sont gratuits, hein, et puis ne nécessitent pratiquement aucune installation, à part il vous faut juste Flash Player pour pouvoir jouer. Et c'est tout, vous pouvez jouer sur navigateur autant que vous voulez. Donc ça, quand même, les jeux flash ont au moins cet avantage-là. Même qu'ils soient mauvais ou qu'ils soient bons ou mauvais, ils ont au moins cet avantage-là, quoi. Niveau 16, alors c'est là que ça va commencer à faire mal. Hop, niveau 10. Et 100% de vie. Alors je vais tout de suite mettre ça sur le raccourci 2. Hop, voilà. Et prendre donc ma boule de feu pour commencer. Donc en cas de problème, j'utiliserai ce sortilège que je viens de prendre, hein. Donc la vague de mort. La vague de la mort. Donc souvent je m'en sers dès qu'il y a un ennemi qui commence à me taper sur la tour. Je commence à... J'utilise ce sortilège. Lorsque je suis vraiment trop submergé, hop. Donc l'inconvénient du dernier sortilège que je viens de développer, hein, c'est qu'il consomme énormément de magie. Clairement, j'ai vague. Oui, ce ralentissement est vraiment agaçant quand même. Ok, donc fin de l'ellipse. Fin de l'ellipse, on continue. Donc c'est le niveau 18, hein, si je dis pas de bêtises. Donc hop. Zut, la boule de feu, je veux. Bon. Donc l'ellipse n'a duré que quelques minutes, hein. Excusez-moi. Donc le temps que je me remette dans le bain un petit peu. J'espère pas trop prendre de dégâts. Excusez-moi, je rebaisse un peu le son. Voilà.
Donc, je réfléchissais, dans certaines émissions, je vais peut-être présenter. Je ne présenterai peut-être pas qu'un seul jeu par émission. Je vais peut-être en présenter deux, voire même peut-être trois si les jeux sont vraiment très courts. Bon, pour les jeux aussi longs que Métus, hein, j'en présenterai qu'un à la fois. Hein. Je pense d'ailleurs que pour la prochaine émission, donc ce sera deux jeux que je présenterai. Je vous dis pas lesquels, hein, évidemment. Donc ce sont des jeux assez courts. Ok, donc j'ai pour ce niveau j'ai 300 personnages à tuer et je viens d'en tuer 88. Donc ça veut dire que je devrais avoir 4 paliers. En gros, 3 ou 4 paliers. Bon. Donc dès que ça sent le roussi, hein, je vais me servir de ma vague de mort, ma vague de la mort. Ouais, les archers, ils font quand même pas mal, hein. Ils font pas mal de dégâts quand même. Donc oui, quand même petite précision hein, sur la vague de mort. Donc ça tue tous les ennemis, excepté les trolls. Donc je sais plus si je l'avais précisé. Donc je le reprécise. Ok, 166. Donc en même temps, hein, le temps que je ne parle pas, hein, vous pouvez donc écouter la musique de ce jeu, qui est vraiment pas mal. Hein. J'aurais dû reprendre de la vie au palier, ça fait rien, on va encore s'en tirer. J'ai un meuble en bois à côté de moi, donc je touche du bois, hein, pour à chaque fois que je sors que ça sent le roussi. Oui, bon, c'est un jeu de mots un peu pourri que je viens de sortir, mais bon. Habituez-vous tout de suite au jeu de mots pourri. Hein. Quand je suis en freestyle, je suis un petit peu comme ça. Hein. Vous souvenez un petit peu de. Pour ceux qui ont suivi mon aventure Minecraft, hein,
le débit de conneries à la seconde était quand même assez élevé, hein. Et ben là, ça sera pareil. Ouais, et ben dis donc, ça va être tout juste. Ah bon, niveau 18 terminé. Ah bah comme ça c'est fait. Bon, je peux récupérer toute ma vie comme ça. Ok, donc niveau 18 terminé, ça veut dire que je suis au niveau 19, logiquement. J'hésite à faire un truc quand même. Ce serait quand même développer le golem. Qu'est-ce que je fais? Allez, c'est juste histoire de vous montrer le golem. De toute façon, je suis un petit peu large au niveau... âme, donc large, je veux dire au niveau âme, donc je développe le golem. Je le mets sur le raccourci 3, hop, et je l'invoque tout de suite. Bon, bien sûr, ok, il a pas pris les ennemis, ça fait rien. Vas-y, bon. Donc vous voyez, déjà, il est purement inutile parce qu'il est lent, il est très très lent. Bon, et donc quand il y a un ennemi qui commence à nous attaquer, et ben il fonce dessus, hein, pour lui taper dessus. Donc il a une vie, il n'est pas affecté par notre magie, donc on peut lui tirer dessus, ça, il recevra pas de dégâts. Mais par contre il reçoit des dégâts des ennemis, parce que quand il... Ben, je vais laisser aller toucher ce soldat là-bas. Donc regardez, donc il... Voilà, donc il a frappé le soldat. Il y a deux soldats, bien sûr. Et donc le soldat s'attaque à lui. Bon, là, ce sont des simples soldats, hein, donc il les one-shot. Mais il faut savoir, contre les trolls, hein, le golem ne fait pas vraiment le poids. Donc je n'ai pas encore utilisé ma vague de la mort, mais ça serait pas tardé, hein, à mon avis. Si les vagues commencent comme ça à devenir de plus en plus puissantes, je vais pas tarder à m'en servir. Et au niveau 20, vous allez en voir beaucoup, croyez-moi. Parce qu'on est rapidement submergé au niveau 20. Voilà, donc en gros, il sert juste à distraire un ennemi de temps en temps, hein, le golem, et puis c'est tout. Donc c'est utile quand il y a une unité qui passe à travers les mailles de notre filet, bon, qu'on voit pas forcément à la muraille, bon, ben, au moins, il s'en occupe. Par contre, donc, son invocation coûte quand même pas mal de magie. Voilà, il y en a un d'isolé, je vais le laisser s'en occuper.
Il arrive même pas à... Voilà. Bon, alors, je sais pas si c'est ma boule de feu ou lui qui l'a tué, mais... Voilà, bah là on voit bien le ralentissement quand même, hein. Lorsque le golem marche et que je recharge ma vie, là on voit bien le ralentissement. Hein. Oui, je sais, je rabâche ça, mais avouez que c'est agaçant. Donc pour le moment ça se tient encore. Ah oui, donc vous avez vu hein, les ennemis, hein, ça y est, ils se sont mis... Donc les ennemis se mélangent, hein, donc on croise des humains et des orques ensemble. Donc les races se croisent sur les derniers niveaux, donc, hein, et ça rend la chose nettement plus difficile. Hein, parce que la diversité des ennemis, quand on a des trolls et des mages humains qui se mélangent ensemble, bah, c'est souvent là qu'on utilise en fait la vague de mort, histoire déjà de se débarrasser de tous les mages et ensuite de pouvoir s'occuper des trolls. Au moins voilà. Donc vous voyez, hein, mon golem hein, est en train de prendre très très cher face à ses... face aux gros adversaires. D'ailleurs, je sens que... Allez, hop, j'utilise ma vague. Donc voilà à quoi ça ressemble. Enfin, je sais pas si ma voix sera encore décalée avec la vidéo, mais enfin, j'espère pas. Voilà, bon, donc mon golem est mort. Donc, ah oui, petite précision aussi sur le golem, hein. On ne peut en invoquer qu'un à la fois, hein. On ne peut pas en invoquer plusieurs sur le terrain. C'est un petit peu dommage, hein, c'est vrai, on apprécierait pouvoir en avoir plusieurs. Ah bah tiens, ce que je vous disais quand on a des mages et des trolls ensemble. Donc pour le moment, bon, je suis pas vraiment en danger, donc je vais... D'accord, donc mon troll, c'est... Enfin, Il s'est déjà fait tirer, enfin il s'est déjà fait tuer mon personnage allié là, mon golem. Ok, tout de suite. Ok, donc ça picote un petit peu là. Oh la vie que je perds. Bon, hop. Vous voyez, hein, quand on a une grosse vague comme ça de trolls, c'est très très dur à gérer. Hein. Donc je réinvoque quand même mon golem, hein, même s'il n'est pas très très utile. Il a l'avantage de distraire certains ennemis. Donc si ça peut me distraire un troll pendant quelques minutes, ça serait... Enfin, pendant même quelques secondes, ça peut toujours être utile. Voilà, regardez, face à un troll, quoi. Le troll, il a encore, ouais, un petit peu de vie, quoi.
Voilà, donc vous voyez, hein, donc je me sers pas mal. Donc vous voyez, les trolls, hein, par contre, ne sont pas tués. Ils sont simplement étourdis par le sortilège. La vague de la mort. Hein. Donc vous voyez, hein, depuis que j'ai développé ma boule de feu, par contre, je ne me sers plus du tout des missiles magiques. Hein, c'est leur nom dans le jeu. Hein, Donc le premier sortilège qu'on a au départ, je m'en sers plus du tout. Le truc après, c'est qu'on se focalise sur les trolls et on oublie un petit peu les ennemis autour. Et ça, c'est une grosse erreur. Faut pas oublier de tuer les autres ennemis, surtout les ennemis à distance. Donc la vague a l'avantage au moins de vraiment déblayer le terrain, mais... Donc j'approche des 500... voilà, puis j'ai bientôt plus de mana en plus, il va falloir que je recharge. Bon, je crois que je finis comme ça. Ok. Bon, et ben on va attaquer le niveau 20. Si proche de la victoire, ça me ferait un petit peu mal au doigt de perdre. Je vais essayer de rester poli quand même. Donc la première vague, hein, c'est du menu frottin, hein, c'est pas grand-chose. Donc vous voyez un hein, 820 ennemis à tuer pour le 20e niveau. Donc là c'est un travail d'endurance hein, quand même. Enfin, un travail d'endurance, hein, oui. Hein. Et donc le... Je vais invoquer quand même le golem. Hop. Hein? Bah il est où? J'ai bien invoqué le golem il y a une seconde là. Bon, ok, il y a même, je sais pas s'il y a eu un bug ou... Ok, donc là ce sont apparemment que des ennemis à distance pratiquement. Donc les vagues comme ça hein, qui utilisent des unités du même type, hein, ça sert à comment pour le jeu quelque part à tester notre stratégie quoi. Si on élabore une stratégie qui est plus basée sur les ennemis et au corps à corps. Une vague comme ça où on n'a que des ennemis à distance, ça peut vraiment nous handicaper. Enfin, même nous causer la défaite. C'est pour cela que j'aime bien ma stratégie, hein, donc ça touche tous les ennemis.
Ça tue vraiment en groupe. Donc oui, quand même, un petit truc à préciser pour le niveau 20. Donc, il faut impérativement c'est essayer de garder sa vie au maximum, surtout lors de la dernière vague, qui est quand même assez longue. Il faut éviter de prendre un maximum de dégâts. Absolument, il faut vraiment minimiser les dégâts au maximum. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Encore une fois le golem quand même. Donc vous voyez, hein, le golem n'est pas très très utile quand même. Je l'ai pris vraiment pour vous le montrer. Bon, je vais le laisser aller s'occuper du Gugus là-bas, mais histoire qu'il soit un peu rentabilisé. Mais c'est surtout contre les trolls, hein, qui ne tient pas vraiment la route. Donc ouais, je n'ai pas vraiment surveillé ma mana. Donc à la fin, hein, on finit, c'est par switcher de sort constamment. Donc changer de sort, hein, si vous préférez, constamment. Et appuyer sur la barre espace comme un taré pour toujours avoir de l'énergie dans la barre. Donc les âmes, hein, donc très, très important à récupérer, donc là lors du 20e niveau, c'est quand même pour récupérer de la vie lors des intermédiaires et surtout de la mana. Hein, pour sans mana on ne peut plus se défendre et donc là la vie elle vient tout de suite après. Hein. C'est pour cela qu'il est vraiment nécessaire d'avoir toujours une forte réserve de quantité d'âmes, même avant d'attaquer le dernier niveau. C'est pour ça que j'hésitais à développer le golem. Je me suis dit, est-ce que j'aurai assez d'âmes? Mais je pense que j'étais déjà assez large, donc ça allait. Vous voyez, hein, il a beau se prendre les boules de feu que je lance dans la poire, le golem n'est pas touché. Hein. Bon, je vais quand même déblayer un peu le chemin pour
Oh bah ça va, je m'en tire pas trop mal encore. Oh bah là le golem, hop. Eh ben. Hein? Pourquoi il recherche pas? Voyons. Susceptible un peu. Ah là, ils avancent plus là, ils courent. Bon. Là, quand ils attaquent trop la muraille comme ça, il n'y a pas à hésiter. Hein. Tout de suite, c'est la vague dans la tête. Hein. Et récupérer toutes les âmes le plus rapidement possible. Histoire de maximiser le rendement de la vague. Ok, bon bah ça va, j'ai pas perdu trop de vie. Et je suis à 500 sur 800. Donc je pense qu'il me reste un palier entre les deux. Bah ça va, j'ai déjà galéré plus que ça pour le niveau 20 quand même. Donc je vous cache pas qu'il faut avoir les yeux partout, hein. Oh bon. Le golem qui est encore par terre, bon. Mais qu'est-ce que... Oh. Il a pas changé de sortilège entre deux, j'y crois pas. Bon, ça fait rien.
Ah, oh, Seigneur, faites ça que cette capture ne merde pas. Non, je ne suis pas croyant, mais bon, parfois. C'est pas vrai. Ce mec, ce golem là, il me fait penser un petit peu à Kenny dans South Park. À chaque épisode, il meurt. Ouais, je sais, j'ai des références culturelles. Bon. Ouais, donc ça, je crois que c'est la dernière vague qui est en train d'arriver là. Donc là, je vous ai dit, hein, le but c'est de prendre un minimum de dégâts, et pourtant on en reçoit pas mal des archers et des. Voilà, vous voyez, donc je tire et en même temps je recharge. Ouais, donc ça, ce sont les deux derniers ennemis. Attention. Et c'est gagné. Et voilà. Bon, donc pour la fin du jeu, donc nous avons le droit à une dernière cinématique, hein. Donc plus personne ne viendra le défier. Plus jamais, il est devenu le maître noir lui-même. Voilà, donc vous voyez, donc voilà pourquoi je disais donc qu'il fallait éviter un maximum de dommages. C'est parce qu'à la fin du jeu, on a le droit à un score. Et dans ce score sont compris donc les dommages de la tour en tant que malus. Donc voilà, donc vous voyez, on a également un pourcentage vis-à-vis du niveau de difficulté choisi. Donc là 0% parce que j'étais en facile. Et donc nous avons le droit d'inscrire notre score dans un classement donc mondial. Donc j'ai actuellement fait 201 000. Bon, ce n'est pas énorme, j'ai déjà fait mieux. Voilà. Bon. Bah écoutez, donc c'était Metus Tower Defense. J'espère que ce jeu vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous si vous le désirez. Et je vous dis à bientôt.